Il y a sur notre territoire des gens qui ne se reconnaissent pas dans l'esprit français, qui ne se reconnaissent pas dans les valeurs de la République. Il y a un sondage qui est sorti récemment dans l'IFOP qui montre que 60% des Français musulmans considèrent que les valeurs religieuses sont supérieures aux valeurs de la République. Donc par conséquent, ils ne peuvent pas admettre que dans une société démocratique, on critique le prophète, on représente le prophète Mahomet d'une certaine manière. Allez voir ce qui s'est passé en 2015. Attendez. Allez voir ce qui s'est passé en 2015 dans nos salles de classe, où au moment où on a fait cette minute de silence national en hommage à Charlie Hebdo, il y a beaucoup d'élèves musulmans qui ont refusé de se lever. Il y a eu notamment des incidents à cause de ça, tout simplement parce qu'ils n'admettaient pas qu'on puisse notamment soutenir des journalistes qui sont morts pour avoir caricaturé le prophète. La vérité, c'est que c'est là. Et quand j'entends la gauche dire qu'il n'y a plus de liberté d'expression, en fait, ce n'est que le fruit de son renoncement face à la montée de l'islam politique. Il est là le problème aujourd'hui en France. Arrête. Arrête. Arrête.